comme vous voyez, bah, j'ai toujours pas ma voix, donc c'est pour ça que je fais des petites vidéos courtes, parce que, bah, voilà. Alors, j'ai une petite idée d'éco-junk, je vous la montrerai la prochaine fois, là, ça va être une petite vidéo haul. Alors, je vais commencer par un truc que je me suis offert, enfin, mon fils m'a offert. C'est une palette de peinture qu'on a eu sur Amazon, donc il y a 48 couleurs. Pour l'instant, bah, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc elle est dans une jolie boîte, comme ceci. À l'intérieur, il y a... Bon, je me suis fait mon nuancier. Donc vous avez une pochette plastique avec toutes les couleurs. Vous avez 48 couleurs. Vous en avez des fausses, des fluorescentes, ici. Et des métalliques, ici. Et le reste, il y a 48 couleurs. Donc dedans, il y a une petite éponge, un petit crayon, une gomme, un pinceau tout fin aquarelle, un crayon et un pinceau réservoir, un peu plus gros. Et moi, j'ai fait un nuancier des couleurs. Non, c'est mieux si je mets l'endroit. Et vous voyez, les fluorescentes, hein, elles pètent, hein. Et les métalliques, elles sont belles aussi, les métalliques. Donc pour l'instant, je vais vous montrer mes premières aquarelles. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler, ça me fait très mal quand je force. Alors, j'ai pas de chance en fait. J'ai pas de chance en ce moment entre l'opération, une cicatrice qui continue à me faire mal. Je sais pas trop ce qu'elle a, la cicatrice, mais le chirurgien est en vacances, donc je peux pas l'appeler. J'ai perdu mon chien il y a 2 jours. Alors je suis pas en bonne condition pour faire certaines choses, quoi, parce que bon, bah, c'est un vide, hein. Et dedans il y avait des papiers aussi, des papiers aquarelles. Donc bon, c'est pas l'idéal en ce moment, hein. J'ai vraiment pas. Puis ma voix qui veut pas revenir, ça fait 1 mois et 10 jours que j'ai toujours pas ma voix. Donc mes premiers aquarelles, des petits lapins que j'ai fait en aquarelle. Voilà pour la première chose. Alors je vais commencer par Action. J'ai gardé le ticket pour vous dire les prix. Du coup, je me suis acheté des pinceaux aquarelles qui sont pas très chers. Hein. Essentiellement, ils sont pas chers. Ils sont à 1,44. Donc il y a une brosse, une grande brosse. Une plus petite brosse, 2 petits pinceaux et un pinceau rond aquarelle. Donc je les testerai. On verra ce que ça donne. Ah bah c'est artiste. Hein. Allez, hop. Il faisait ça aussi. Alors pas très cher. C'était feutre Twin Marker alcool. Et franchement, ils étaient à... je vous dis ça. À 3,99. Les 12. Moi, j'ai pris ces couleurs-là. Il n'y avait pas les autres couleurs. J'ai pas pu prendre les autres couleurs. Il n'y en avait pas. J'ai pris des petits washi dans ces tons pastel. Et ça, les washi, franchement, ils n'étaient pas très chers non plus. Les washi, ils étaient à 1,98. Et franchement, il y en a de très beaux dedans. Voilà. Alors, bon, tout le monde connaît, hein, les fameuses dentelles. Là, ils ont ressorti des couleurs. Donc là, il y a les différents verts, des jaunes, des marrons, des bleus, des roses. J'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait. Voilà. Comme d'habitude, hein, ça c'est à les petites dentelles. Ah oui, 89 centimes. Il y avait ça aussi qui était nouveau. Une boîte de perles avec plein de petites perles, des perles... Bon, moi, j'ai pris dans les mordorés or et noir, des perles lettres, carrées, plates, rondes. Il y en a des or, des noirs, des blanches et or, des toutes or. Et elle n'était pas très très chère. Elle était... Ah, voilà.
un paquet dedans. Hein. C'est vraiment... Il n'y avait que deux couleurs, mais celle-ci, j'ai trouvé plus jolie. J'ai repris les petits marqueurs, là, hein, pas cher. Et, en fait, il me fallait le blanc. Donc, bon, les autres, je me servirai. Il n'y avait pas grand-chose de nouveau, franchement. J'ai repris ces petites feuilles-là, parce que moi, j'ai besoin pour faire un truc. Donc, ceux avec les fruits, les plumes, l'eau... Ah ben, j'ai pas vu qu'il était abîmé. Voilà, ceux-là, j'avais besoin pour faire quelque chose. Donc, hein, ces petits formats, hein, 15-15, hein, le bloc est à... 1,95. J'ai pris ces dies-là. Donc avec le mot enjoy, des grands cadres, un cadre moyen, là pour faire, et ça pour faire des, bref, hein, vous avez compris, c'est pareil, les dies n'étaient pas très très chers, tout est mélangé, c'est incroyable. Mmh. 3,99. Non, je raconte des bêtises. Ah, c'est son idée. Ça, c'est les pochoirs. Mmh. Non. Pencil, c'est quoi ça, les pencil? C'est 3,99. J'ai pris, ils ont sorti des nouveaux pochoirs, donc j'ai pris celui-ci avec des grosselettes et il y a 5 formes, hein. Il y a des fleurs. Voilà, c'est celui avec les fleurs. J'ai pris celui-ci, alors là, il y a deux imprimés animaux et le reste, c'est des mandalas. Vous voyez, c'est des mandalas imprimés animaux. C'est ça, j'aime bien les mettre sur les fonds de mes cartes. Et puis, bah, celui-ci, parce que j'en avais besoin, vous savez, c'est celui avec la mail. Avec du magnifique papier, j'en avais besoin aussi, donc j'ai pris avec la glace. Bon. Franchement, ces petits trucs là j'aime bien, on peut faire plein de choses. Donc à action, c'est tout. J'ai pris deux petits bricoles pour mon fils, en passant je vais vous les montrer. Mais j'étais étonnée du prix là des petits, parce que j'ai pas encore essayé moi les feutres à alcool. Et j'aurais voulu les autres couleurs et puis des dies pour faire des tags, mais voilà, tant pis, j'ai pas de chance moi. Et on a été à Noz, alors à Noz, j'ai trouvé quelques petites bricoles. Je vais vous montrer ça. Un petit truc sympa. Bon, il n'y a pas grand chose non plus, ça sent les vacances, hein. Je vous le dis, ça sent les vacances. Alors, je vais vous montrer ce beau ruban qui était à 59 centimes. Rose violine, et le dessus, là, c'est un peu comme plastifié, il est super beau, je trouve. Donc il y a 25, il y a 3 mètres, il fait 2,5 cm et je le trouvais super joli. J'ai pris ça aussi qui était à 99 centimes. Alors mon os de chez nous, c'est un vrai bordel. Désolé pour le bruit, enfin, déjà vous ne m'entendez pas. Ça fait comme un grillage dans les tons un peu rouge et or. Et ça pour faire des tags, des embellissements, je trouve ça sympa. J'ai pris ça. L'alphabet, il y en a un paquet à coller à 79 centimes. Avec tout, hein, donc j'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci aussi. Des chiffres, des lettres. Oh, nous allons faire le jeu du chiffre et des lettres. Mais celui-ci est en relief, il est un peu pailleté. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, peut-être. Ouais, un petit peu là, oui. Il est un peu pailleté et je le trouvais sympa. Franchement, pour le prix, hein, 79 centimes. Et celui-ci était à 69 centimes. Donc j'ai pris ça. Voilà, j'ai pris un petit truc pour mon fils. C'est pour
embêté à 99 centimes. Et des trucs militaires. Et dedans, en fait, c'est des post-it. Des post-it. Je trouvais ça super sympa, moi. Ouais, je trouvais ça trop cool. J'ai pris ça. J'ai pris ça à 85 centimes. C'est des couverts en bois parce que je vais m'en servir pour une créa. Vous verrez quand j'aurai fait. Vous verrez quand je l'aurai fait. J'ai trouvé ça aussi à 39 centimes. Vous savez, c'est des mots. Alors là, c'est... Il y a... Boiseur, démoseur, dire, happy, lister, des petits mots comme ça. Mais or, vous savez qu'on doit... Et franchement, ils sont pas mal. En plus, c'était pas très très cher. J'ai trouvé des tampons aussi. À 99 centimes. Alors le premier, c'est des fleurs. Une série de fleurs. Et le deuxième, bah, c'est le truc de vacances en fait. Donc non, c'est mieux si je mets un doigt. Il y a... je sais pas trop. Comme une boussole, un soleil, un avion, un bateau, une plage, la terre, vacances, aventure, une valise, une voiture avec des valises. Ah, mais mince, pardon. Je vais dire. Donc, je trouvais qu'il était sympa. Surtout pour en ce moment. Par contre, ce qu'il me faut, c'est les plaques pour les tampons. Parce que les miennes, elles sont mourues. Enfin, il ne me reste plus que la petite. Faut que j'arrive à m'en trouver une grande. Faut que j'arrive. Attendez, je fais un peu de place. J'ai trouvé ça. Alors. Pas énorme, mais je trouvais que à 79 centimes on a trois petits rubans dedans, 5,50 m de ruban. Alors, première couleur blanche, grise et noire pailletée. Je sais pas si ouais, vous voyez, noire pailletée. Bon, là il y en avait deux. Alors, j'ai pris deux, hein. Donc à faire hein. À 79 centimes. Hein. Il y avait dans les marrons. Marron avec paillettes, marron normal, marron, hein. Il y en avait qu'un. Dans les bleus, ah, il est magnifique le bleu. Bleu pailleté, bleu, il est superbe. Et puis, ben non, il y avait un troisième noir. Oui, oui. Il n'y avait que ces, il y avait que ça, ces cinq-là. Il n'y avait pas d'autres couleurs, c'est bien dommage. C'est franchement bien dommage. Et j'ai pris ça, alors. Je vais l'ouvrir avec vous parce que sincèrement, pour moi, c'est des trucs cartonnés, mais ça peut être sympa. Je vais l'ouvrir. C'est à 1,20€. Mais il y en a un paquet de temps. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Et je pense que c'est des pochettes un peu cartonnées. Je pense. Enfin, j'espère. J'espère. Vous allez voir, ouais, c'est ça, regardez. Pour faire des décorations de junk, regardez en plus, il y a... Soit qu'on met dans les junk, une partie tout au moins, qu'on peut couper en deux, hop, et on peut mettre dans les junk, soit pour faire justement des décorations de junk, bon, elles sont toutes de la même couleur, mais c'est... un peu craft, assez épais et je trouvais que c'était sympa. Donc on peut faire des choses. Ça fusionne dans ma tête. Et bon, c'est vrai qu'en ce moment, puis bon, c'est les vacances aussi, hein, je veux profiter de mon fils qui va après va partir sur sa base, donc on ne reviendra pas tout de suite. Puis ben, j'ai pris des intercalaires parce que j'ai un truc que je veux faire. Il y a un truc que je veux faire, bah, c'est pas des comme ça que je voulais, mais bon, à 79 centimes, tant pis, hein, je dis que, voilà. Vous savez, les cartonnés, là, assez grands, je voulais la pochette, mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Je voulais la pochette double, mais il n'y avait pas. Donc voilà, mes loulous, je vous dis, là, j'ai une idée, là, puis il faut que je finisse mon tuto, là, sur le truc, mais les vidéos trop longues, j'y arrive pas. J'arrive pas, j'ai la gorge qui me fait tellement mal que bon, bah, c'est pas faisable.
Donc, voilà, j'ai pas pris grand-chose, on n'en a pas pour très très cher, mais j'étais étonnée de ça. Mais j'aurais aimé avoir les autres couleurs, parce que là, c'est que dans les tons roses, et il y a l'autre dans les tons un peu jaune, vert et marron, et ils n'y étaient pas. Donc, ça m'aurait fait mes tout premiers feutres alcool, pas trop trop cher. J'ai pas encore testé hein, les feutres, il y a une collection complète hein, de ceci, et ils ont deux embouts. Regardez. Ils ont deux embouts sur là. Ah bah attendez, on va les ouvrir. Je suis curieuse. J'avais pas vu, bougez pas. Je prends un petit couteau pour ouvrir. On a dû chercher des patates en même temps. J'ai un petit cultivateur du coin. C'est super bien ces pommes de terre. Pourquoi il y a deux embouts? Twin marque. Bah, je sais pas en fait. Ça veut pas. Hein. Ah si, ça veut. Ah, j'ai ouvert à l'endroit. C'est pas mal hein, leur petit rangement. Les couleurs sont belles en tout cas. C'est chouette. Pourquoi il y a... Alors, c'est peut-être moi qui suis bête. Mais je sais pas pourquoi il y a deux embouts. Voilà, il y a le rouge d'un côté. Ok. Et... Ah, il y a un bout côté plus gros que l'autre. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Mais j'aimerais bien avoir les autres. Parce que franchement, ils n'étaient pas chers. Mais bon, dans l'autre, il n'y avait pas. Mais c'est bien dommage. Dommage. Parce que j'aurais bien aimé avoir l'autre collection avec l'autre. Ça m'aurait fait un peu des marqueurs. Et ouais, c'est bien dommage. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. La prochaine fois, peut-être qu'ils les auront. Mais ça, c'était une belle surprise. Parce que vu le prix, déjà, c'était une belle surprise. Parce que ça coûte cher, hein, les feutres à l'alcool. Je vous dirai s'il fonctionne bien. J'essaierai de faire une colorisation avec. Alors attention, je ne suis pas douée. Alors déjà, bon, je commence l'aquarelle. Je suis tombée sur une petite dame qui fait des cours d'aquarelle. C'est Félicia. Je ne sais plus, c'est Félicia Watercolor, un truc comme ça. Franchement, ces vidéos sont géniales pour apprendre l'aquarelle. C'est super. Et top du top quoi, vraiment du top du top. Donc voilà mes loulous, sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vous dis, j'ai une idée moi pour une vidéo courte pour un embellissement de junk. Voilà mes loulous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.